excusez là. Hein. C'est pas grave. Elle vous a un peu mangé la chronique, si j'ose dire. Une actrice, oui. Un acteur sont à la une ce matin en photo dans quasi tous les journaux. Alors l'actrice, c'est Emmanuelle DeVos qui joue Simone Veil dans La Loi. C'est le titre de ce téléfilm qui sera diffusé sur France 2 ce soir. Là, on la voit en photo. On est censé être le 26 novembre 1974. Et le film retrace heure par heure les trois jours qui ont précédé le vote en faveur de l'IVG. L'homme, l'acteur, c'est Jake Gyllenhaal. Il joue dans Night Call. Il incarne un caméraman sociopathe en quête d'images choc. C'est une satire de la télévision. Et alors, si je vous parle des deux, c'est parce que j'ai voulu les réunir et vous demander votre avis. Regardez. Quoi? Regardez. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe? Alors, attendez, je vois pas, oui. Là, Jake Gyllenhaal. Vous trouvez qu'il ressemble à... Emmanuel DeVos. J'ai l'impression que c'est le frère et la sœur. Ah bon? Oui. Non. Oui. Ça va, par ça? Ça va pas? Non. Et le jeu des... Faut arrêter le jeu des sosies. Enfin. Non, mais... Vous trouvez pas qu'ils se ressemblent? Oui. J'ai fait un petit test ce matin. C'est mieux, ils se ressemblent. Avec les rares personnes qui étaient dans la rédaction. Oui. On m'a dit oui, fais-le. C'est un piège, peut-être. On va dire comme eux. Vous êtes en... Ils ont les mêmes yeux. Non, il est en soin, j'aurais il est en traitement. Bouche, là, moi, tout le monde dit oui. Dites oui. Voilà. Oui, moi, oui, je dis les mêmes yeux. Là. Voilà, oui. La même cravate. Là, non, c'est pas une cravate. Bon, voilà. Moi, j'ai décidé qu'ils se ressemblaient. Je voulais vous les montrer. Bon, voilà. Un qui ne leur ressemble pas du tout. Johnny. Oui. Le titre de l'album, Restez vivant, meilleur démarrage de l'année. Vous n'allez pas encore nous parler de ça. Ben oui, 131 000 exemplaires en une semaine. Alors que les Enfoirés n'ont fait que, si je puis dire, 100 000. Pink Floyd, que 70 000. Mm-hmm. L'attente, qui était son précédent album, avait réalisé en une semaine 116 000 exemplaires pour finir à 600 000. Donc il avait réalisé moins. On pense que celui-là avait réalisé. Il a eu un certain nombre de coups de main à la télé, partout. Donc, bien sûr, ah oui, on en a un petit peu parlé. Oui, c'est bon. Le bassin au poisson rouge. Connaissez-vous ce tableau estimé à entre 500 et 750 000 euros? Il est à droite. C'est une œuvre majeure d'une vente aux enchères où on trouve aussi les remparts de Carcassonne, en bas à gauche. Des toiles réalisées dans les années 30, 3 parmi 537 toiles qui vont être vendues aux enchères chez Sotheby's à Londres. Ça se ressemble. Le 17 décembre. Mais la question que je pose à vous tous, oui, allez-y. Qui est l'auteur? Oui, qui est l'auteur de ces toiles splendides qu'on va revoir? Non mais regardez, c'est bien. Qui est l'auteur? Alors il y a un indice. La troisième toile en Monet. Ah oui, je sais. Non, c'est une valise diplomatique. C'était un président. Churchill. Churchill, voilà. Le Premier ministre. Oui. Churchill. Voilà. Parce, non, je l'ai retenu à la valise rouge. C'est la valise rouge du Premier ministre. Quoi qu'il arrive, il a toujours la même valise. Il a marqué Prime Minister. Voilà. Et il a, enfin, tous les talents. En tout cas, il était dépressif. Et pour noyer son chagrin, la dépression, etc., il peignait. Et toutes ses toiles vont être vendues aux enchères mi-décembre. Voilà, j'ai fini. Au revoir. C'est sa fille qui est derrière, d'ailleurs. Hein, tu ne trouvais pas qu'elle me ressemble? Oui. Ah, non. Tu ne trouvais pas qu'Alex Jaffré ressemble à Georges Clooney? Ah, si. Allez. C'est pas sympa pour Alex Jaffré. Alors, à